Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir un joyau architectural situé en Eure-et-Loir. Un des joyaux méconnus du patrimoine français. Une chapelle qui renferme une histoire fascinante et une richesse artistique d'une grande importance. À travers cette exploration, nous plongerons dans l'atmosphère spirituelle et artistique de ce lieu, où l'art et la foi s'entremêlent harmonieusement. Préparez-vous à découvrir les secrets et les trésors cachés du domaine royal de Dreux, qui émerveillent ceux qui ont la chance de les découvrir. Embarquons ensemble pour un voyage spirituel et artistique. L'histoire du domaine royal de Dreux remonte à plus de 5 siècles. En effet, sur le parc de 6 hectares fut construite une place forte au XIIIe siècle, dont est encore visible la ceinture de remparts ainsi que le donjon que Louis-Philippe aménagea en bureau au XIXe siècle. La chapelle nommée Chapelle Saint-Louis est en elle-même bien plus récente. Il faut attendre 1816 pour que la duchesse d'Orléans rachète le terrain du domaine royal et y fasse construire une chapelle néoclassique. D'ailleurs, pour l'anecdote, certains matériaux proviennent de la démolition de l'ancienne abbaye bénédictine de Coulon, près de Nogent-le-Roi, ainsi que des ruines du château de La Ferté-Vidame. Plus tard, la chapelle deviendra néo-gothique grâce à l'intervention de Louis-Philippe d'Orléans, roi des Français. Empreint d'une beauté saisissante témoignant de la foi profonde et de la dévotion des rois de France, la chapelle acquit rapidement une grande importance spirituelle en tant que lieu de culte et de sépulture pour la famille royale. Elle fut choisie comme nécropole par le duc d'Orléans, futur roi Louis-Philippe, qui souhaitait réunir les dépouilles des membres de sa famille. Ainsi, la chapelle royale de Dreux devint le lieu de repos éternel de nombreux membres de la noblesse française et de la branche cadette des Orléans. Certains gisants accueillent des personnes de haut rang, mort de manière tragique. Mais au-delà de sa fonction funéraire, la chapelle a toujours été un lieu de recueillement et de prière. Sa construction est empreinte d'une symbolique spirituelle forte, où chaque détail architectural a été soigneusement conçu pour évoquer la présence divine. Les voûtes élancées, les vitraux colorés et les sculptures minutieusement travaillées transportent les visiteurs dans une atmosphère de sérénité et de spiritualité. En se promenant dans les allées de la chapelle, on ressent l'empreinte du passé et la ferveur des générations passées. Cet édifice sacré a été le témoin de nombreux événements historiques et de cérémonies religieuses importantes. Ainsi, la chapelle royale de Dreux incarne non seulement l'histoire de la royauté française, mais aussi la puissance de la foi et de l'art. C'est un lieu où l'architecture majestueuse se marie harmonieusement avec la spiritualité, créant une atmosphère unique et propice à la contemplation. En pénétrant dans la chapelle, notre regard est immédiatement attiré par les voûtes élancées qui s'élèvent majestueusement au-dessus de nous. Ces voûtes gothiques, témoins de l'expertise des artisans de l'époque, créent une impression de verticalité qui nous donne le vertige. Les vitraux colorés qui ornent les fenêtres de la chapelle sont de véritables joyaux. Chaque vitrail raconte un événement biblique ou représente un saint, diffusant une lumière douce et envoûtante à travers l'espace sacré. Pour l'anecdote, les 12 grandes fenêtres ogivales du transept sont ornées de vitraux représentant des saints sur fond bleu de Sèvres, qui furent dessinés par Ingres, un peintre de renom du 19e siècle, connu notamment pour son tableau « La Grande Odalisque ». En avançant, nous découvrons les sculptures et les ornements qui ornent les murs de la chapelle. Chaque détail est minutieusement travaillé. Les sculptures représentent des scènes bibliques, des anges ou des motifs floraux, tous chargés de symboles spirituels profonds. Au cœur de la chapelle, nous découvrons le tombeau monumental de Louis-Philippe et de son épouse Marie-Amélie. Cette œuvre sculpturale impressionnante est le point d'orgue de la chapelle, rendant hommage à ces figures royales et symbolisant leur présence éternelle dans ce lieu sacré. Au-delà de sa beauté évidente, la chapelle royale de Dreux regorge de trésors cachés qui témoignent de son histoire fascinante. Parmi ces trésors se trouvent des reliques précieuses, conservées dans des reliquaires magnifiquement ouvragées.
Ces reliques, des fragments d'ossements ou des objets associés à des saints, sont vénérés depuis des siècles et rappellent la piété profonde qui habitait les fidèles de l'époque. Les tombeaux sculptés, qui attirent les dépouilles des membres de la famille royale, sont eux-mêmes des trésors artistiques. Les sculptures finement ciselées, qui ornent ces tombeaux, racontent l'histoire des personnages qui y reposent, leur importance dans l'histoire de la France et leur héritage spirituel. Ces œuvres funéraires sont une invitation à la contemplation et à la réflexion sur la fragilité de la vie humaine et sur l'aspiration à l'éternité. Par ailleurs, nous pouvons retrouver des anecdotes intéressantes liées à certains événements historiques. Des mariages royaux, des funérailles solennelles et même des visites de personnalités éminentes qui ont marqué l'histoire de la chapelle. Prenons par exemple ce gisant. Il s'agit du fils de Louis-Philippe, Ferdinand Philippe. À côté, dans une autre alcôve, on distingue une femme, Hélène, qui tend sa main vers lui. Pourquoi, me diriez-vous ? Eh bien, Hélène était protestante, tandis que Ferdinand, et plus généralement la dynastie des Orléans, était catholique. Nous voici arrivés au terme de notre voyage spirituel au cœur de l'art et de la foi, à travers la découverte du domaine royal de Dreux et de sa chapelle. Ce lieu emblématique nous a révélé sa beauté architecturale, sa signification spirituelle et ses trésors cachés, faisant de chaque visite une expérience unique. La chapelle royale de Dreux incarne à la fois l'histoire de la royauté française et de son époque, le 19e siècle, avec son retour au gothique, avec ce style, le néo-gothique, ainsi que cette empreinte romantique que l'on ressent dans le monument. Nous espérons que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre et d'apprécier la richesse de la chapelle royale de Dreux. Nous vous encourageons à partager cette découverte avec vos proches et à planifier une visite en personne pour vivre l'expérience authentique de ce lieu d'une grande beauté. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et nous on se retrouve pour un prochain épisode qui portera sur...